Eh bien, salut à tous, bande de gamers, c'est Dams, et bienvenue sur la troisième partie de Super Mario Bros. 3. Et donc, on en était où on venait juste de détruire donc le château, et on attaquait donc la deuxième partie du niveau de l'eau. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est parti pour le quatrième niveau. Et hop. Alors, en suivant de... Oh, il y a son tanuki. Ah, j'ai pas assez pris d'envol. Non, putain, c'est pas du tout ce que je voulais faire, c'est pas grave. Je suis maudit, je fais que des conneries. Oh, j'avais oublié. Pas de panique. Ouh, je sais pas comment j'ai fait pour passer. Impeccable, c'est bon, on se casse. Hein? Ah bah oui. Il va mettre tous les ennemis avec des attaques en l'air et un petit tanuki pour moi, c'est pas grave. Heureusement, j'avais pas encore pris la feuille. Bon, allez, c'est pas grave, on se la refait, tranquillote. Cette fois-ci, on va pas prendre ça, parce que je peux pas prendre ça. Ah, j'aurais peut-être pu utiliser ça. Attendez. On va essayer d'éliminer lui pour récupérer... Je déteste ces ennemis-là. Je les déteste. Je veux pas perdre toutes mes vies, je veux pas perdre toutes mes vies, vas-y, descends. Impeccable. Ah merde, c'était là. Ah putain, marteau, c'est pas ce que je voulais. Bon les amis, on va tenter donc du coup d'utiliser le marteau qu'on vient de gagner pour détruire ce rocher là et profiter de récupérer un champignon qui pourra nous... Oh putain, c'est mort. Ah mais non, en plus c'est pour des vies ici. Ça c'est pour les vies. Eh bien, ce tuyau nous amène où du coup? Bah, ça sert à que dalle. Bon, c'est parti les amis. On revient en arrière. Et donc du coup, ben, on va se faire le quatrième niveau, on va rester sur le quatrième niveau. Hein. On va essayer de se concentrer à max. Hop, on va faire le champignax. Oh bien. Bon, c'est pas grave. On a quand même récupéré un champignon. Je vais essayer de l'éliminer à lui. Voilà. On sera plus tranquille. Donc on sait qu'on avait un champignon ici. What? Wow, reviens ici, champignon. Et bim, deuxième étoile en plus. Voilà qui va nous mettre bien. Il manque plus qu'une seule étoile et ce sera bon. Peut-être qu'on la récupérera. Oh, merde, c'est enfermé. Bon, on va faire le jeu de cartes. Peut-être que là, on va récupérer pas mal d'objets si on fait pas les idiots, les amis. Oh merde. En dessous. Ici. Ah, fleur bleue. J'avais déjà vu la fleur bleue, je crois. Sous dessus. On n'a rien récupéré du tout, les amis. Bon, on est parti pour faire le cinquième niveau. Niveau d'eau, apparemment. Et niveau dans l'eau. Oh. C'est pas grave, il y a la fleur là-bas. Espérons que j'ai le temps d'attraper. C'est bon. Et je croyais que j'avais une fleur. D'accord.
oublié que dans Super Mario Bros 3, quand on récupère une fleur si on est petit, on reste petit, on reste en moyen. Et merde. Je me précipite trop et je me mets dans de mauvais draps. Vite, petit Mario. C'est bon, on est passé. Enfin, pour l'instant. Troisième étoile, les potos. C'est bon, 5 vies. Voilà qui va nous mettre bien, complètement bien même. On a 9 vies, on est tranquille. Normalement, les ponts devraient, voilà, sur... De rouvrir et on va récupérer une feuille. Allez, épisode 6. Oh mon dieu, que j'ai détesté ce niveau. Ok, c'est bon. On va attendre maintenant. Voilà, tranquille. Voilà, hop, vas-y, demande-moi dessous. Impeccable. Merde, je voulais utiliser ça. Ok. Oh, je pensais pas tomber sur le truc doré, la brique dorée. Bon, mais il ne reste plus que 8 vies. Ok, c'est parti, on y croit, les amis. On va se concentrer. Faire ça bien correctement. Pas de problémo, pas de cacarino, comme dirait. Bon, c'est sûr. Ça marche pas pour lui-même, donc moi, ça marchera pas non plus. Ok. Là, on pourra être champignon. On va attendre un peu maintenant. Tranquille, mais sûrement. Ça peut peut-être donner une vie supplémentaire. Non. 91, presque, mais c'est pas ça. Voilà, c'est bon, on est bien. C'était pas passé loin ça. J'ai eu un petit peu peur. Ok, on est cool. Je me méfie avec les briques comme ça là. J'ai peur que ça me retombe. Que ce soit un monstre doré là qui saute partout. Alors voyons voir quel plan bien à coup. C'était sûr, c'était pas maintenant. Mais je voyais tellement le truc se rapprocher que je me suis dit, vaut mieux sauter. Garder ça pour plus tard, ça vaut mieux. Ça sert pas à grand chose sur ce niveau. Ok, c'est parti. Si encore on avait un champignon, peut-être forêt de champignon. Si encore on avait un champignon déjà, on aurait pu avoir prendre un tanuki ici. Là, peut-être que ça vaudrait le coup, mais en dehors, non. Ça vaut pas le coup. Et on vient de récupérer une vie. Voilà, tout le monde est bien. J'avais oublié qu'il y avait la tortue rouge ici. Je vous ai dit, j'ai horreur de ces niveaux-là. Bon, tant pis, j'utilise. Non, je prends pas ça. Non, je prends pas ça parce que comme ça, hop. J'ai un peu merdé. Mais c'est pas grave.
Ah, peut-être que lui va pouvoir nous donner un objet. On avait beaucoup de vie. On avait une dizaine de vie à une époque. Mais je crois qu'on n'aura plus 10 vies. Allez les gars, faites deux fois la même erreur. Plus que 3 vies. Ça devient un peu serré. Allez, bien. Voilà. Ah putain, maintenant le coffre est à côté. Nickel. J'ai eu de la chance. Je crois qu'en fait, il n'y aura pas besoin de prendre trop d'élan en fait. Quoique. Pour celle-ci, si je crois bien aussi. Hop, on va se mettre en hauteur. Ok, là on se concentre, l'écran va arrêter. Voilà, on va attendre tout le temps une dernière fois et. Une dernière fois et. Et voilà. Ah putain. Bon, on va essayer une dernière fois et au pire on tentera à notre niveau. Niveau 8 si le pont s'ouvre. Je pense qu'on peut y arriver là maintenant. S'ils ont mis une bifurcation, c'est que le niveau ils savaient qu'ils le faisaient dur. Donc. Là déjà c'est bon signe, j'ai récupéré le champignon. Donc pour l'instant. Oh là là, j'ai fait faire une erreur. Pour l'instant on est bien, hein. On va faire attention à ne pas glisser, à être correct, voilà, on peut tenter en bas, c'est tout. Voilà, si on peut récupérer des pièces pour avoir une vie, on va pas cracher dessus. Ok, nous revoilà arrivés à ce moment difficile, donc ce que je vais faire c'est que je vais me concentrer et maintenant. Ouais, on l'a eu les amis. Et c'est pas terminé. Voilà. C'est bon, on l'a fait. On l'a passé. Ok, on y va pour le niveau 7. Chiffre de la chance. Je pense que ça va être bon. On va y aller. Ou pas. Je sais pas comment j'ai fait. Passage secret là, non? Pas de passage secret, d'accord. C'est pas ce que je voulais faire, mais bon, tant mieux, on n'est pas mort. Ok, c'est bien. Voilà, tendre à lui. 1, 2, 3, hop, vas-y, tire. Oh, le con, il attaque. Il attaque. Oh. Je l'avais pas vu, j'ai déjà fixé la boule en hauteur. Moi. Allez, c'est parti pour le château. Après, on aura une petite île pleine de bonus. Alors, on va se taper un château dans l'eau. Ça va être folklorique. J'avais complètement oublié, j'ai complètement zappé ce jeu depuis tant, j'ai complètement zappé ce jeu. Allez hop.
pas ce que je voulais faire, je crois que j'avais la feuille encore. J'avais oublié que la feuille j'avais utilisée. C'est pas grave. Putain. Et voilà. Ça, ça fait chier. Alors on est reparti, on va passer par là, un petit raccourci. Bon, on a vu déjà à quoi ça ressemblait les niveaux 4 et 5, donc on va passer par là. Peut-être que c'était pas le plus simple. Peut-être que c'était le plus simple. Je ne me rappelle plus comment était le niveau 5. Un handicapé qui joue à Mario. Putain, c'est dingue ça. On va voir si on peut récupérer les vies encore une fois là. On va se concentrer bien. Ok, champignon. Ok, champignon. Pourrait nous donner au moins une vie quand même. Champignons. C'est pas grave. Bon, on va tenter le niveau 5. Après tout. Ah oui, je me rappelle du niveau 5. Voilà. Oh là là, ça va être dur, je sens. Une. Ah, voilà qui va nous arranger. Une fleur, ok. Thank you.
Ok, nous revoilà dans ce fameux niveau. On va faire ce que je me concentre, je vais passer tout directement dans la vidéo. Par contre, il faut bien y arriver là. Je ne peux pas éteindre la vidéo tant qu'on n'a pas atteint le jeu. Eh bien les amis, donc nous revoilà au château et cette fois-ci je pense qu'on va passer le niveau sans problème. Pas le temps de regarder ce que c'est, ça on n'a pas besoin, on est en tanuki. Donc on va foncer directement vers l'adversaire et on... Wow, j'avais oublié ce détail là. Je crois que normalement je peux passer. Ah non, je ne peux pas passer. Et donc voilà, impeccable. On va passer donc ce niveau et voilà, on est au boss déjà et après on continue notre petite aventure. Ah oui, c'est vrai. Tu te transformes un peu, je crois quoi. Non, voilà, c'est bon. Du coup, je suis pas en tanuki. Merde, j'ai pas envie de recommencer le niveau. Ouais, c'est bon, c'est bon ça. Ouais, les amis, c'est bon, on l'a passé. On a passé le château et on reste plus qu'à passer donc à l'autre moitié du niveau, du monde, pardon. Allez, espérons que je peux récupérer quelques vies ici. Allez, j'appuie au pif. Non, au pif, ça marche pas non plus. Ah, faut quand même se manger niveau 8. Ouais, c'est le jeu de l'ordre, donc c'est ça. Donc on a 4 niveaux. Putain, il s'en mange couille. Donc on a 4 niveaux pour faire ce jeu là. Oh, c'est un champignon. Ok, les amis. Si je tentais pour buter le poisson. Ah merde, ça va prendre du temps. Bon les amis, go. Pas le temps de perdre du temps. Il m'a gobé.
Le truc c'est que j'ai une transformation, mais rien, ça sert à rien la transformation. On va essayer la grenouille, mais techniquement avec la grenouille, enfin, s'il nous avale, il nous avale même en transformé quoi. Ça change rien du tout, me semble. Ouh, c'était juste. Ah non non non! Putain, Mario de merde là, pas pouvoir rester sur son bloc à la con. Ah mais voilà, ça sert à rien de se transformer. Il nous avale quand même. On va perdre les objets, donc ça sert à rien de perdre les objets. D'ailleurs, j'en ai marre de perdre du temps. Bon, il est trop rapide. À la nage, on peut pas gagner à la nage face à lui, donc il est trop rapide. Ok. Le truc, c'est que j'aurais bien voulu récupérer. Oh, j'ai pris le retour de la carapace dans le cul. Ben oui, l'eau m'empêche de sauter. Et on se mange un petit game over. Ben écoutez, ça, on va rester sur cette fin de vidéo du coup. Et je reviendrai jusqu'à ce niveau-là dans le prochain épisode. Et bien écoutez, si vous avez apprécié la vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu, partagez cette vidéo sur Facebook et Twitter. Et puis abonnez-vous pour voir la suite de nos aventures. Ciao, ciao les amis, et à la prochaine.